On se retrouve pour la suite de ce Golden avec cette fois la vraie fin. Donc, je suis revenu juste là avant le dialogue avec un ami. On peut pas aller se coucher, ah non. Ah non, on est obligé de lui parler, mais bon, on va lui dire. On va pas. Mais je trouve ça incroyable qu'on puisse aller aussi loin dans l'abandon de notre mission. C'est vraiment bien foutu. C'est là qu'on voit que le jeu a été méga travaillé, quoi. Parce que les 99% des jeux, des choix comme ça, on dit ouais, bah, ça doit pas changer grand chose au final. Alors que là, ouais, on peut vraiment avoir une fin comme ça, quoi. Mais pas juste trois dialogues et hop, une petite scène, hein, c'est vraiment. On fuit, les gens crèvent et tout. Donc arrêtons de nous battre. On a besoin de moi, on va dire. Voilà. Et à la place, on a juste ça, si on fait pas les dialogues. Souvent parce qu'elle Victor lui disait ne mouille pas ton lit. Et elle a une rune qui s'appelle couler. Enfin bref. Et le pire, ouais, c'est que dans la fausse fin, on pouvait revenir à la fin. Hein. Et du coup, on avait les persos qui étaient vraiment morts, quoi. C'est vraiment sympa. Alors, par contre, ouais, j'ai dû tout recommencer depuis la dernière sauvegarde. Et j'ai répondu les choix le plus vite possible. Du coup, j'ai dit à Jess que. J'ai rien dit en fait, j'ai pas dit c'est Joey et tout, j'ai rien dit, du coup il dit ouais vous voyez c'est lui et tout, mais ça change rien au final. Un gros malade. C'est un américain le mec. Bon, je pense qu'on va y aller aussi. Pas trop de choix. Ah, c'est ça le problème, c'est qu'on perd pas nos hommes. Juste, on les donne un éclair donc puisque. Allez.
y va. Ah merde, c'était pas ça? Je croyais qu'on pouvait... Que faut-il faire? Je peux pas me retourner me coucher non plus. Peut-être que si. Non. Les gars, ils viennent se lever. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Ok. Je retourne me coucher. Non, mais du coup, je sais pas, faut aller où? S'il faut pas sortir, je vois pas. On n'est jamais allé là. C'est pas là, hein, la suite, mais. Je regarde juste s'il y a des trucs. Peut-être qu'il y a des noms en même temps. C'est une église ou quoi? Ça ressemble à une église de l'extérieur, mais c'est pas l'air d'en être une. Alors là, ça me dit rien du tout ce truc, je m'en rappelle pas. Bref! Faut qu'on se magne. C'est bientôt le combat contre Necrod. Necrod qu'on a combattu plusieurs fois déjà. Hein. Première fois on s'est fait démonter, on pouvait pas le toucher. Après on a l'épée Star Dragon. Mais il a pu s'enfuir. Putain, mais merde, c'est où? Ah mais oui, mais je suis con. Oui, mais c'est pas la mine d'or. Moi je l'imagine la mine d'or, mais il y a une mine là aussi. Elle est où? Elle est où? Voilà. Ça doit être la mine qui est là. Bizarre. Il semblait pourtant que c'était la mine d'or, à côté de Chrome. On est que deux. Merde mec, qu'est-ce qu'il nous fait? Juste fait droite une fois et il court jusqu'au truc. On va se taper des ennemis à deux, hein. On dirait qu'il n'y a pas d'ennemis. Cap son, ça c'est bien. Ça donne pas mal de défense. Merde. Le truc c'est que... Ouais, c'est que j'ai mieux en fait. On va les mettre sur Silverlay.
toute façon, on n'a pas Victor. Donc. Ouais, on peut pas le battre. On a dit c'est le vrai pouvoir de la rune, mais en fait c'est le pouvoir de la vraie rune. Parce que nous on a une des 27 vraies runes, c'est mal traduit encore une fois. Lui aussi il a une des 27 vraies runes, la rune lune. Qu'il a en fait volé à un perso qu'on verra plus tard. Voilà, bon on était que deux, mais en fait c'est pas grave. Ah c'est Mr Freeze. Tout le temps à moitié mort. Ah, ça fait la même scène hein, que dans la fausse fin du coup. C'est bien foutu justement, ça veut dire qu'il se passe les mêmes événements en même temps et tout. Comment il se fait vite? Ok. Ah, le pauvre. En plus c'est une jeune vierge donc il doit bien aimer Nuclear. Donc elle quand elle est là, c'est pour changer l'équipe en général. On va prendre des persos qu'on n'a pas pris peut-être. Oh non il a le bug aussi, j'y crois pas. Je crois qu'ils vont tous l'avoir du coup. Parce qu'il y a lui et encore trois persos. Bah George qu'on a vu dans la fausse fin. Pesmerga, un gros chevalier super fort. Et Masius, un gros mage aussi, meilleur mage du jeu. Bah normalement ces trois là ils peuvent avoir le bug du level 99. Du coup, bon on va quand même les prendre, allez. C'est de la triche mais c'est pas de ma faute parce que... Tant pis hein. Et puis on va prendre un perso qui est pas très fort, ça serait cool. Pour qu'on pense. Ah bah non je suis con. C'est lui qu'on va prendre. Donc Long Chan Chan, c'est comme ça qu'il s'appelle, hein. LC Chan, c'est-à-dire Long Chan Chan. Il est vraiment fort en plein perso. Bah comme Wakaba avec des meilleurs stats je pense. Sinon ouais il fait exactement les mêmes attaques, tout pareil.
Et ils ont une attaque bien sûr à deux. Du coup, il y avait un perso ici qu'on pouvait recruter, mais on l'avait pas recruté, je sais pas si vous vous rappelez, parce qu'il fallait un ensemble fenêtre. Ben là, normalement, je l'ai, parce qu'en farmant l'autre fois, là, entre mes deux vidéos, j'ai... Je sais plus où il est. j'ai récupéré un ensemble fenêtre dans la vallée... La vallée, là, entre Tiger Moss et Chrome. Il faudrait juste que je le retrouve, ce serait cool. Parce que je pense que je vais terminer la vidéo ici, sinon ça va être trop long. Parce que là, en gros, on va avoir un enchaînement entre un donjon, plusieurs boss et tout. Je vais pas faire tout ça à la suite, ça va être trop long. Bon, où qu'il est le perso? Le monsieur des fenêtres. Il était bien à Chrome au moins, pas à Tinto. Non, il était à Chrome. Peut-être à Tiger Mask, Romain. Non, il me semble qu'il était à Chrome. Voilà. Tiens, d'ailleurs, il donne quoi là? Ok. Barre d'or 30 000, putain. Ça, c'est intéressant par contre. Bah merde, c'est où? Je suis presque persuadé qu'il était à Chrome. Et je trouve mal foutu le village. Les maisons sont super espacées. C'est très chiant. Ah, il est là. Un million de postes. Voilà, parfait. Voilà, pareil, il servira à d'autres trucs. Je crois que c'est pour changer les fenêtres. Là, les fenêtres dans les rivières. Il me semble. Hein. Il me semble que c'est ça. Alors, bah écoute, on va sauvegarder là. Et après, on va aller combattre. Gros combat. Hein. Il y aura plein de persos importants, de gros combats. Il y a des enjeux assez bien, enfin assez importants. Bon, je trouve ça vaut pas Lucas Blight, mais c'est pas de la merde, quoi. Bon, allez hop. Bon, vidéo courte, mais c'est mieux que de faire une vidéo de 50 minutes, je pense. Ok, donc on se retrouve à la prochaine pour Necklord, et ça va casser du zombie. Donc à la prochaine pour The Walking Dead, salut.